Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fabrique un joint donc pour le pot d'échappement donc ici, c'est mieux, le résonateur et la sortie du moteur ici avec le piston à l'intérieur. Donc pour commencer, il faut un scotch bien spécifique, donc scotch aluminium ou comme ceci, scotch tissu aluminium. Donc, qui résiste à des températures extrêmes. Donc, vous allez commencer, vous allez en prendre un bout de scotch, vous le découpez. Donc, il faut un cutter, une paire de ciseaux et les outils donc pour démonter les vis des moteurs, etc. Donc, vous allez en prendre un, vous allez le mettre sur le résonateur. Ici, donc il y a un trou, alors, je vais essayer de le caler. Voilà, donc on prend la petite pièce et on. Je vais le poser, ce sera plus simple. Donc là, on a bien le résonateur et on le pose dessus et voilà. Donc là, c'est pile l'ouverture. Donc voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez en prendre plusieurs des couches. Donc vous allez prendre le scotch, le tirer et découper des morceaux et poser celui-là et le découper au cutter. Donc il faut une épaisseur assez grosse mais pas trop, pas trop. Donc après, pour finir, donc vous allez placer, donc déjà on va s'assurer qu'il est bien collé. Voilà, on va le placer. Alors au préalable, il vaut mieux faire des trous dedans. C'est pas facile de le centrer à une seule main. Et voilà, quand il est mis, on serre, on appuie un peu et on vient tout de suite replaquer. Et après, on met les vis et on rebranche et le tour est joué. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à une prochaine vidéo, au revoir.